Bonjour, ici Didier, ici mon potager plaisir. Aujourd'hui, je vous présente encore une autre petite boulette que j'ai faite et dont je voudrais vous faire profiter. La première, vous vous souvenez, c'était sur le chien dent. Alors le chien dent, je vous mets le petit lien dans le coin. C'est quel coin? C'est ici, oui, je vous mets le lien dans ce coin. Et je vais faire la suite très bientôt. J'attends que ce soit le printemps parce que c'est là que ça sera vraiment parlant de voir si vraiment ça a fonctionné. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné au moment où le chien dent aura envie de repartir de plus belle. Aujourd'hui, la deuxième boulette, et eh bien oui, dans ma vie, j'ai fait deux boulettes, voici la deuxième. Et donc, deuxième boulette sur les patates douces. Je vais vous expliquer un petit peu les bêtises qu'il faudrait que vous ne refassiez pas et les petits détails auxquels il faudrait que vous fassiez vraiment attention. Voilà, le oups numéro 2 sur la patate douce, c'est tout de suite. Alors avant de parler de ces deux boulettes, si vous n'avez pas vu, regardez les deux premières vidéos où j'expliquais tout, comment faire germer vos plantes patates douces, tout de A à Z, plusieurs méthodes, lesquelles marchent mieux, lesquelles marchent moins bien, n'hésitez pas, allez voir ça tout de suite si vous ne les avez pas encore vues. Si vous les avez vues, aujourd'hui c'est quelques petits détails qui vont permettre de faire toute la différence entre des plants de patates douces qui réussissent et des plants qui végètent, qui traînaillent et puis qui finissent par pas marcher. Parce que oui, effectivement, c'est mon cas. L'an dernier, j'ai un petit peu foiré mes plants de patates douces. Alors pourquoi ? La première chose à laquelle il faut faire vraiment attention, c'est quand on met à germer ces plants de patates douces, il faut de la chaleur, il faut de la chaleur et il faut de la chaleur. Moi, je les avais mis, alors je les avais fait à la même époque que les tomates, bah, souvent c'est à peu près ça, et je les avais mis au même endroit dans la serre à plants où j'avais seulement une petite surface qui disposait de nappes chauffantes. Et du coup, bah, il a fallu arbitrer, faire le choix entre les patates douces et les tomates. Les tomates, c'est quand même, en tant que maraîcher, une grosse source de revenus. Et puis, c'est aussi une passion, j'adore ça. J'ai une vingtaine de variétés minimum chaque année. C'est pas grand-chose par rapport à des particuliers qui en ont des centaines. Pour un maraîcher pro, ouais, c'est pas forcément très très commun d'avoir jusqu'à une vingtaine de variétés. Mais il y en a quand même de plus en plus qui le font, et ça, c'est chouette. Alors, donc, j'avais privilégié les tomates et j'avais mis les patates douces dans une zone pas chauffée, qui était quand même bien protégée mais qui n'était pas chauffée, et du coup il y avait des nuits un peu fraîches, il y avait des journées où ça dépassait pas les 10-12 degrés et mes patates douces avaient végété pendant des mois et des mois. Il y avait un germe qui sortait voilà, toutes les semaines il y avait un germe qui sortait sur, vous voyez, sur à peu près cette quantité là de patates douces. Et du coup, le germe il sortait et puis il prenait son temps pour pousser et ça poussait au compte-goutte au ralenti. Je me suis retrouvé au moment où de les mettre où j'avais rien qui était vraiment utilisable. J'ai dû attendre encore un mois de plus et un mois de plus j'avais quelques petits trucs ridicules comme ça. Vous voyez, et ça c'était pas avant mai que j'avais quelque chose comme ça. Là on est, je sais plus, on est quoi? On est mi-mars, quelque chose comme ça? Donc voilà, il y avait un gros retard, ce qui fait que quand j'ai fini par repiquer mes plants, eh ben, ils n'ont pas eu le temps de grossir suffisamment pendant l'été. Et à l'automne, j'ai ramassé quelques petits trucs, voilà, quelques petites patates comme ça, génial, j'étais super content. Donc voilà, tout ça pour dire que même moi qui faisais mon malin à vous donner plein de conseils, eh bien voilà, l'an dernier, j'ai complètement foiré. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, rassurez-vous, si ça vous arrive, voilà, ça peut arriver à tout le monde. Donc voilà, ça c'est la première leçon à retenir. Il faut de la chaleur, minimum 20 degrés et jusqu'à 25-30 degrés, mais n'hésitez pas, c'est bien, il faut chaud et humide. Là voilà, le terreau aujourd'hui est un petit peu desséché, je vais le réhumidifier pour qu'il soit vraiment parfait pour les jours qui viennent. Et donc nappe chauffante en dessous, et toutes les nuits je mets un voile d'hivernage pour que ça reste bien au chaud, et avec ça, ça devrait le faire à peu près bien. Le deuxième point vraiment important, c'est de faire attention à prendre des patates qui soient le plus saines possible. C'est vraiment, vraiment important et ça fait toute la différence. Je vais vous faire un gros plan entre cette cagette et cette cagette-là, ce plateau et ce plateau. Sur ce plateau-là, mais on a au moins 30, 40, 50 petites pousses qui commencent à sortir. Sur celui-ci, j'ai cherché de plus près tout à l'heure. Ça, c'est une mauvaise réponse, je ne sais pas pourquoi elle est venue là. Sur celui-ci, il y en a
1, 2, il doit y en avoir 3, 3, 4, mais, et qui sont en plus beaucoup plus en retard. Donc d'une part, voilà, ils sont très en retard par rapport à l'autre plateau, ils ont été faits le même jour, je le rappelle. Ils sont en retard, et en plus, il y en a énormément qui sont en train de pourrir, qui sont en train de faire un truc vraiment pas beau du tout, une pourriture qui risque de gagner les quartiers qui sont autour. Donc voilà, c'est des patates, pourquoi je dis pommes de terre, je sais pas, c'est des patates qui m'inspiraient pas trop confiance au départ. J'ai quand même voulu leur donner leur chance parce que je suis un mec sympa, et ben non, ça a pas marché du tout. J'ai même essayé de faire les mêmes avec dans des petits pots avec de l'eau que je change régulièrement, mais bon, qui s'est troublée rapidement et qui a tendance à croupir assez facilement, et voilà, et toutes ces patates là, elles n'ont pas bougé du tout. Donc voilà, deux plateaux qui s'en sortent très bien parce que les patates, vous le voyez sur les gros plans, étaient vraiment saines quand je les ai utilisées, et donc j'ai pu les couper en quartier, et on voit qu'elles sont, voilà, elles sont pleines formes. Et donc ben voilà, comme pour des plants de pommes de terre qu'il y a à côté, de chaque côté, c'est si on a des plants sains, des patates ou des pommes de terre qui à la base sont saines, ça donnera quelque chose de chouette. Si on a des patates ou des pommes de terre qui sont fatiguées, qui sont un peu pourries, qui ont eu du mal à... qui ont été conservées dans de mauvaises conditions par exemple, et qui du coup arrivent au printemps épuisées et qui n'ont plus rien à donner, et bien voilà, ben ça donnera rien, c'est le cas de le dire. Donc voilà un petit peu les deux astuces, les deux erreurs principales à éviter quand vous faites vos plants de patates douces. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc sur ce, on se retrouve très vite pour parler carrément d'autre chose. Eh bien, merci beaucoup, merci d'être fidèle à cette chaîne, merci d'être de plus en plus nombreux, ça fait plaisir et ça me porte et ça me donne une pêche de malade. Donc sur ce, voilà, à très bientôt pour parler encore d'autres choses. Merci, salut!